ça fait 9-14. La tentative de Pazalic. Avec le ballon pour Smoke. Pas de tir pour l'instant. On va tout petit doucement approcher de la fin des 24 secondes. Et ça, c'est bien joué. Hein. Alors, la création. Avec Doncor. Smoke, le tir en tête de raquette. Facile. Ça commence à devenir sévère. Il faut se réveiller côté Montois. Tyus avec Neri de très très loin. Ça rentre. Ça ne passe pas cette fois. C'est Nintogo pour le rebond et Pazalic. On va chercher une Zekwesi en dessous, ça c'est très très bien joué. Les Anversois étaient revenus aussi vite que lui en défense. Pazalic avec Henson, Zachary Mortan, Pazalic. Pazalic, il crée des espaces, il ne trouve pas les lignes de passe souhaitées. Neri. Et Mortan qui glisse sur le parquet montois. C'est manqué, Pazalic à nouveau. Tyus à 3 points peut-être, non. Allez, attention, quelle sera la dernière attaque de Montenegro? Quelle tactique mise en place? Pour faire shooter qui? Pour faire shooter Pazalic? Il reste 5 secondes. Les deux, comme quoi le public a toujours une influence. 69-64, il reste 2 minutes 12 à jouer. Montenegro qui prend 5 points d'avance, ça c'est la toute première fois. Hein. Zachary Mortan. Peyton Henson pour un deuxième. Et également le stress peut-être. Jean-Marc Mouema à toute vitesse. Possession assure pour Montenegro. Je pense que c'est fini. Hein. Je ne vois pas comment Anvers peut renverser la voiture en deux secondes. À moins d'une stupide perte de balle de Montenegro. Ce ne sera pas le cas.